Bonjour les petits loups, aujourd'hui on va faire des crêpes à mille trous, c'est pour Sandrine, voilà Sandrine. Donc on va prendre 250 g de semoule très fine, 4 cuillères à soupe de farine, 2, 3 et 4, une cuillère à soupe de levure sec, sèche, une demi-cuillère à café de sel. Et là, je vais mettre 400 g d'eau tiède. Et là, je mixe. Voilà, par contre, il faut bien mouliner, hein, sinon ça ne va pas marcher. Et j'ai rajouté aussi 50 ml d'eau en plus. Après, c'est à vous de voir. Là, je vais, à la fin, je rajoute une levure. Et là, je vais encore mouliner. Si vous n'avez pas ce type de robot, vous pouvez mouliner avec votre appareil à oignon, mais en tout cas il faut bien mouliner. Voilà ma pâte, je dépose ma pâte, je l'étale et là je vais attendre. Vous allez voir ce que ça va faire, c'est en train de se former plein de petites boules. Vous voyez, il y a plein de petites boules là. Et tout le blanc qui est par-dessus, à feu doux. Hein. Et prenez une poêle anti-adhésif aussi. Quand le blanc va disparaître, ça veut dire que votre crêpe est cuite. Ben là, on va attendre. Hein. Voilà, vous voyez, il reste encore un peu de blanc. Là, je vais attendre qu'il disparaisse. Voilà, tout le blanc est parti. Donc, je la retire de ma poêle. Voilà, en gros, qu'est-ce que ça doit donner? Plein de petits trous comme ça, légères, légers, légères. Regardez. Par contre, il faut bien la faire cuire à feu doux. Après, vous mettez de la confiture, vous mettez du Nutella, vous mettez ce que vous voulez, du miel, du beurre. Normalement, il faut mettre du beurre. Voilà. Donc, voilà les petits loups. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, commenter, partager. Bye bye les petits loups. Bon appétit!